S'il te plaît, dépêche-toi. C'est bien ici. Ça devrait faire l'affaire. C'est bien ici.
L'heure est venue de s'occuper de Belle. Elle complote pour prendre tout ce que tu possèdes. D'abord ce château, puis ta précieuse rose. Pour finir, elle volera ta vie. Ne te fie à personne, nourris ta colère. Seule ta rage te maintiendra fort. Je me moque de la force. Je ne désire qu'une chose. Quoi donc ? Aimer et être aimé en retour ? Qui pourrait aimer une bête comme toi ? Tu vois, elle a des complices. Bonjour, prince. Juste ciel, maître. Maître, voyez-vous, vous avez, comment dirais-je, Toi, Billet, bah c'est toi-même qui les a jetés dans le donjon. J'ai fait ça? Et ma foi, oui. Qui était l'homme à qui tu parlais? Le type en noir? Xaldin. Ah, c'est son nom. Il est venu des ténèbres. Il s'est servi de ma colère pour me contrôler. Il s'est emparé de mon chagrin, de ma tristesse et de ma peine. Il les a transformés en rage. Je n'ai pas pu résister. Je ne voyais plus la vérité. Oh, je comprends. C'est sûrement pour ça que t'as enfermé tous tes amis dans le cachot. Tu voulais être certain de ne pas leur faire de mal, c'est ça? Était-ce pour cela? Pour les protéger? Bien sûr, nous savons que tu es quelqu'un de bon. Il a raison, maître. Nous connaissons tous votre gentillesse. Belle voit la bonté dans votre cœur, mais j'ai peur que vous-même... Belle. Je l'ai maltraitée. Je l'ai malmenée. J'ai été si égoïste. Elle nous a pas parlé de ça? Elle ne parlera jamais à personne de ma cruauté. Elle est trop bonne. Vous voyez, j'ai bien peur qu'il ne se juge avec trop de sévérité. Pourquoi ne pas aller lui parler? Mais... Pas d'histoire! Allez, en avant! Nous venons avec toi!
Yeah!
Tu... La bête! Au secours! Dans la salle de bal! Belle! Je vais bien! Yeah.
On a réussi! Je n'en suis pas si sûr. Xaldin! À bientôt! Oh! Que veut-il à la fin? Il doit faire partie de l'organisation. Tu as entendu parler des simili? Quand une personne au cœur généreux est transformée en sans-cœur, un simili est créé. Et l'organisation 13 manipule tous les simili. C'est vrai! Elle voulait te transformer en sans-cœur pour créer un simili aussi fort que toi qu'elle pourrait contrôler. Vous allez bien? Belle! Belle, je regrette, je n'étais plus moi-même. J'espère que je ne t'ai pas fait de mal. Pardonne-moi. Je sais que tu n'étais plus toi-même. Tu n'as pas à t'excuser. Mais j'avais espéré que tu aurais un peu changé. J'aimerais que tu aies confiance en moi. Oh, j'ai bien peur que le temps nous manque. Qu'est-ce que tu dis? Vous vous souvenez de la rose? Dans la chambre de la bête? Précisément. Voyez-vous, si le maître apprend à aimer et à être aimé en retour avant que le dernier pétale ne tombe... Le charme sera rompu. C'est vrai? Vous croyez qu'il va réussir? Oui, nous le croyons. Oh, je pense que vous avez raison. Espérons-le. Que s'est-il passé? Vous devez partir? Oui. Alors plus de disputes, d'accord? Nous y veillerons. Soyez prudents. Vous serez toujours les bienvenus. Si vous avez des informations sur Riku, le roi, les sans-cœurs ou l'organisation, faites-le nous savoir, d'accord? Allez, on y va! C'est bizarre. On dirait que le vaisseau avance. Oui, on se dirige droit sur la forteresse oubliée. Drôle d'ambiance. Allons-y. Sapristi, sapristi, j'ai bien cru que vous ne reviendriez jamais. Oh, c'est vous qui nous avez appelés, Merlin.
En effet, mais j'ai bien peur d'avoir employé trop d'énergie pour vous faire revenir et avec tous ces sans cœur. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figurez-vous qu'en faisant un peu d'arrangement, j'ai retrouvé ceci. Le livre de Winnie. Exact. Je ne sais pas grand-chose sur Winnie, l'ourson et ses amis. C'est pour ça que je vous ai appelé. Et c'est à ce moment-là que les sans-cœurs m'ont attaqué. Je me suis défendu, évidemment, avec mes puissants sortilèges. Mais j'ai commencé à craindre que le livre ne soit endommagé. Alors je... Oh, une minute. Autant que Léon et les autres écoutent cette histoire, je vais aller les chercher, excusez-moi. Vous croyez que Winnie va bien? Si on va les voir. Bonne idée. Trouve une excuse, d'accord? Je me demande si Winnie est chez lui. Salut Winnie, ça va? Comment vont tes réserves de miel? Très bien. Mais pour le moment, je me prépare à faire ma gymnastique. Veux-tu participer, Sora? Bien sûr, ça marche. Hein?
Donald ? Le livre sera. Hey! Encore ton cheval! J'espère que ça va. Tu devrais peut-être retourner voir si Winnie n'a rien. Attends, plus que bagarre. Oh, je trouverai bien une excuse. D'accord. Je suis content que tu ailles bien, Winnie. C'est gentil d'être venu, mais vois-tu, j'allais commencer ma gymnastique. Peut-être pourrions-nous discuter plus tard, garçon que je ne connais pas. Oh, d'accord. Et comment va Porcinet ? Je ne connais personne qui s'appelle comme ça. Oh, excuse-moi, mais là, je dois me concentrer un peu. Winnie ? Hé hey, Winnie ! Il se passe quelque chose d'étrange ici. Je devrais peut-être retourner en parler à Merlin. Thank you.
Allez, c'est parti!